Yo, bande de rogers, ici le Matt. Comme le dit si bien l'affiche à droite, bienvenue à Wasteland. Une nouvelle map en l'honneur de la DLC Chaos Realm, qui m'a l'air bien sympathique, voyez-vous, et qui me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour Rocket League, mais de réutiliser de la part de son prédécesseur. Donc on va voir ça tout de suite dans un match d'exhibition de 5 minutes s'il vous plaît. En 3v3, pourquoi pas 4v4 sur le terrain vague qu'il s'appelle. Donc avec cette map ça s'ajoute un DLC. Bien évidemment, non pas bien évidemment, mais il est payant. Donc ça ne me concerne pas vu que j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans quelque chose de subsidiaire et de pas forcément très utile. Alors du coup. Voilà, vous aurez le contenu de la map. Donc qu'est-ce qu'elle a cette map de particulier? Déjà, elle n'est pas du tout dans les mêmes proportions et la même taille que les maps d'origine. Donc ça donne un nouveau gameplay complet. On n'a plus les mêmes approches de tir, on n'a plus les mêmes stratégies, les mêmes techniques, les mêmes tirs, c'est tout modifié. On monte plus de la même manière sur les murs, on se jette pas de la même manière, il y a tout vraiment qui a été modifié. Et donc il y avait une map comme ça qui s'appelait déjà peut-être le terrain vague, je sais plus comment il s'appelait dans l'ancien jeu. Mais en tout cas c'était une map du même genre qu'avec les mêmes caractéristiques et c'était une map préférée je pense. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas perdu leur temps à faire des mises à jour et ça c'est ce qu'on aime voir. Ça fait très Mad Max dans l'ambiance, ils l'ont bien réorienté. Par rapport à ce jeu, ça rend très très bien. Et eux, ils l'ont dit plutôt par rapport à... Oula, bien joué ça. Il avait visé, il était dedans. Voilà, il est boot. Ouais, bien joué. Donc dans ce petit match de 5 minutes, donc une vidéo qui sera pas très longue, on pourra voir à peu près... je pense que vous pourrez voir un peu les caractéristiques de cette map. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça. Oh putain, il manque pas grand chose. Donc ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des maps et tout. Je sais ce que je sais, mais je pourrais peut-être vous aider. Si vous voulez vous procurer, on a un lien pour le vendre, si vous voulez une réduction dessus. Il y a, sur GameFanet, je crois qu'on le vend, il me semble. Enfin, que ça fait partie de notre partenariat. Donc voilà. Surtout qu'il doit plus coûter trop cher maintenant, vu qu'il est sorti depuis un moment. En tout cas, si vous avez une manette et que vous aimez bien les jeux de skill, c'est le jeu qu'il vous faut, je pense. J'ai pas encore vu cette map en multi, j'ai pas récemment beaucoup joué. Mais en tout cas, là ça marche très bien pour s'entraîner avec les bots et on peut déjà voir l'étendue du Spielblick. Voilà tout. Tac tac tac, ok. Bon, par contre on va essayer de faire des actions un peu plus stylées. Hop. Tac, on passe par dessus, on monte sur la voiture, on se jette, on fait des 360. On saute et on marque le but. Alors là, autant dire que ça faisait longtemps que j'ai pas fait aussi Nawak. Hein. Yo, et voilà. Bref, j'ai l'habitude de regarder le score, c'est fou ça. Dans tous les jeux, j'appuie toujours sur table. Bon là, c'est pas de table, mais aïe, j'ai mal calculé mon coup. Bon, je l'ai fait un peu à l'instinct. Mais j'aime bien parce que donc c'est une map qui est beaucoup plus large, si je dis pas de bêtises, qui est beaucoup plus grande. Même les cages sont plus grandes. Donc je trouve que, par exemple, là j'ai pris 4v4, je trouve que ça s'y prête beaucoup. Merde. Ça s'y prête pas mal. Et ouais, t'as un jeu quand même plus dangereux, où tu prends plus de risques, suivant ta tactique de jeu, suivant comment tu te places. Donc à mon avis, ça va donner quand même des choses bien sympas. Enfin, ça c'est mon avis. N'oubliez pas que dans le 14, donc ça cette map elle est sortie vers le 2, peut-être le 2 décembre. Normalement le 14 il y a la mise à jour peut-être avec les palais, si je ne me trompe pas parce qu'il y a d'autres mises à jour d'autres jeux et je crois qu'il y en a une que le 14 peut-être, je peux confondre. Et d'ici décembre donc on aura la mise à jour avec les palais et la glace, donc un terrain de jeu complètement glissant et une balle complètement modifiée hein, puisque le carré... Ouh. Merde. Dommage, si je l'avais pris plus tôt, ça aurait pu faire une très belle passe. Ouais, on accentue pas mal les passes quand même dans ce mode de jeu, je trouve. Enfin, dans ce mode de jeu, c'est le même mode de jeu, mais... Oh, il est bien marqué. Hop, on passe, on continue. Avec le petit roulement de tambour derrière, c'est toujours sympa. Bon, là, elle est à moi, clairement. Ouais. On va prendre le
boost. Et là, là, on va tenter quelque chose de nouveau. Ah, putain. J'avais prévu le rebond, mais j'avais pas prévu la vitesse nécessaire pour la renvoyer. Donc, compliqué. Et là, ils vont la renvoyer. Ouais. Et là, petit contre, il va la renvoyer encore. Non, ils sont un peu nuls. Aïe, ralenti, il la pousse. Replacement. Oh, poteau sortant. Yes. Je me la fais. Non, je me la fais pas du tout. Je n'étais pas maîtrisé. On peut retourner acrobatique du déni. Oh. Ah, trop près. Je vais reprendre du recul. Oups. Bon, moi, je l'ai sorti de l'axe. C'est déjà ça. Hop, on la remet au milieu, c'était pas là, forcément la meilleure idée. Ouais, pas du tout en fait. Hop, on la sort, parce qu'on est des mecs plutôt comme ça. Ah! Hop, je te dribble. J'ai failli me marquer un but aussi. Il me manquait un peu de boost. Oula, oula, oula. Putain, de la frappe. De la frappe, comme on dit. Ah, putain. Oh, t'as plus de boost, par contre, c'est dangereux. Enfin, c'est dur, faut, on va prendre du boost encore. Hop, alors là, si je me souviens bien, voilà, ça aurait bien marché. Tac, et là, but. Non. Presque. Non, mais la sort pas, couillon. Bon, j'ai ça, mais hop. Hop, hop, hop. Tu vas te calmer tout de suite, mon vieux. Ouh, bien joué, scout. Le meilleur, on l'appelle, hein, le scout. Ah, il m'a poussé, cet enfoiré. De la casse, comme je dirais. Hop. Voilà, c'est but pour eux, par contre. À moins que... Ouais. Difficile de l'enlever, celui-là, il est vrai que... Pas facile, facile. Après, on peut bien sûr le décliner avec... Oh putain, merde. On peut le décliner avec les modes de jeu de mutation, et là, je pense que ça peut donner des trucs vraiment pas mal, quand même. Merde, j'aurais bien aimé une balle montante pour me finir. Ah, fait chier. Ah, c'est dommage. Pas mal de lui marquer une dernière action. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Cette vidéo n'était pas très longue, mais je pense que ça suffit à vous montrer l'étendue du truc. Donc, si jamais donc vous pouvez vous procurer, si jamais vous pouvez aimer, commenter, ça m'arrangera, parce que comme ça, je pourrais discuter un peu avec vous. C'est toujours plaisir d'en voir qui regarde ce genre de trucs. Donc, voilà. Voilà, voilà, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois. Peut-être pour une nouvelle saison d'une compète, je suis pas sûr. Pour l'instant, pas très original, donc. Enfin, d'en refaire une, donc je sais pas, c'est un peu ambigu pour l'instant. En tout cas, je leur dis une dernière fois, merci d'avoir regardé et à la prochaine. A plus!